Commission permanente. Mais l'essentiel, ça ne veut pas dire pour autant nous pas là comme observateurs, surtout dans la dernière ligne droite. On dit hier surtout, et c'est dans le bureau du premier secrétaire là, et tu as gagné 4 présidents bloc, tu as gagné l'autre monde qui t'a assisté autour dans l'autre bloc. Et qui t'a accepté, et c'est vrai, article 44, 45, 46, il est clair sur la question de la commission permanente. Je pense que nous-mêmes, nous avons des gens qui étaient là, qui représentaient GPEP. Alors, GPS. Alors, je pense que Wilson Hippolyte, il y a un sacrifice qui était fait, surtout bon côté bloc majoritaire là. Il y a une commission, le président bloc majoritaire a été accepté pour au moins te libérer et permettre au moins l'autre bloc yo est capable de sortir à l'autre commission. Il y a une commission qui a été réclamée qui c'est des grandes commissions, mais même parce qu'il y a des collègues qui ont fait porté précision samedi, bravo, et sous tribune hier. D'ailleurs, pas de petite commission, pas de grosse commission. C'est qui ça ou même qui n'a tête de commission pour avoir avec elle. Il y a des points de droit qui ont été faits et nous l'avons interprété différemment, mais hier, le bureau est définitivement à trancher. Je pense que ce n'est pas pour peut-être le groupe APA, ce n'est pas pour le groupe GPS ou encore GPEP ou Vérité au PL et Alliés, mais de préférence, c'est pour le bien-être de l'Assemblée ou encore pour le bien-être de la Chambre des députés. Contenu à quoi même? Qui ça te dit dans l'accord qui signe un président bloc politique? Alors, je devais lancer ça. Il y a quelques membres du bloc politique qui demandaient à contester. Ce n'est pas contesté. D'ailleurs, c'était Peter Constantin, et l'honorable Peter Constantin, il n'est pas contesté, l'on t'a porté certaines lumières par rapport à texte. D'ailleurs, il était même expliqué qu'il était fait au point de droit, mais par la suite, il était monté au tribunal, il a dit pour l'histoire et la vérité, il a signé l'accord, et il a accepté. Et ça te contenu à quoi c'était permettre au moins GPEP de te joindre sans relais. Alors ça mon alors ça collègue l'autre député les gros commissions ils ont libéré l'autre commission qui apparemment y aurait les gros commissions et en plus permettre au moins de joindre dans l'autre commission rejoindre les secrétaires rapporteurs vice-présidents etc. Même parce que Peter était clair de dire que lui-même, lui endossé, lui te signé et d'accord que tu es accord à son accord pour te joindre ensemble pour au moins assembler capable de fonctionner. C'était ça. Nous organiser carnaval dans la commune Guadeloupe, c'est notre objectif pour nous faire promotion. Valeur culturelle qu'il y a dans la commune. Puisque, je pense que les amis n'apprécient pas qu'on est tout que quoi des bouquets, c'est une commune qui a un gros potentiel culturel. Et bien, pendant la période carnavalesque, quoi des bouquets choisit 3, 4 février pour nous faire défiler différents groupes culturels qui viennent, différents. École de danse qui gagne dans la commune Guadeloupe pour nous faire valoriser potentiel culturel ça qui gagne dans la commune Guadeloupe. Nous présentons nous avec nous président du comité qui c'est ingénieur Belize Raphaël qui c'est président du comité qui a organisé carnaval là pour deuxième édition. Nous gagnons responsable communication qui c'est Ruben Dumont. Nous avons responsable de finance qui c'est Jean-Rosner Edwin. Nous avons responsable artistique qui c'est Whitley Jean. Nous avons deux responsables artistiques. Nous avons Whitley Jean et Madoché Nelson. Nous avons Madame Erika Setout qui c'est secrétaire général. Mais nous avons Maïssa Nicolin qui est président d'honneur du comité. Nous avons serviteur nous, qui est magistrat Jean-Renard Saint-Just, qui est lui-même vice-président d'honneur. Nous avons magistrat Géraldine Setout, qui est vice-président d'honneur. Et nous avons Stanley Garnizan, qui est ambassadeur culturel, lui-même qui est membre d'honneur dans le comité.
Jean nous dit déjà, carnaval là c'est pour le 3 et le 4 février. On a fait lancement depuis 2h de l'après-midi dans samedi. Et thème carnaval là, ça c'est quoi des bouquets réveillés. On a profité micro et caméra là jusqu'il là pour inviter toute petite croix des bouquets qui éparpillé à travers la République là, toute petite croix des bouquets qui vivent dans la diaspora pour profiter de la période ça pour une croix des bouquets pour venir participer avec nous dans la deuxième édition carnaval croix des bouquets. On a profité de l'occasion en tout pour nous lancer un message à différents monde croix des bouquets qui fait activité commerciale dans la commune. C'est pas un gros espace que vous avez gagné pour faire vendre produits. Puisque le conseil communal lui-même n'est pas capable de couvrir toutes les dépenses que le carnaval va nécessiter. On a besoin de support pour la voie centrale et on a besoin de support secteur privé commune. Et il n'est pas trop tard pour être capable de rejoindre nous. Nous avons des bouquets pour arriver, puisque le thème carnaval là c'est des bouquets rêver. On a interdit toutes sortes de messages de violence, quelle que soit la forme. Par exemple, les messages qui ont trait à la stigmatisation, la violence qui a fait sur la femme. Nous avons interdit tout pour la femme. Les gens là, nous n'avons pas bien n'importe quelle façon. Parce que nous-mêmes jeunes, moi jeune chose, je suis là, il y a tout. Pour moi-même, je me nous avons tout le prestige de la caille. On dit à mesdames, yo la gueule. Dans ce sens, nous avons fait un travail spécial. Ce n'est pas parce que nous avons fait carnaval, mais nous avons fait promotion pour femmes. Parce que moi-même, ma cartelle là, c'est pour ça, là. C'est pour aider les femmes au prestige. J'ai mes têtes. Ok, pour voir n'importe qui, habiller n'importe qui, et puis pour toujours que même respecter quand il y a longtemps pour les jeunes filles pour continuer. Dans ce sens, nous parlons, mesdames, mais c'est vrai, nous avons un carnaval, c'est son espace de plaisir et tout, mais il ne faut pas inciter l'autre monde, il faut qu'on ait une façon pour habiller. L'infini tout, nous ne pouvons pas interdit seulement. Propos verbal, parole. On a interdit toutes sortes de graffiti qui ont fait trop de violence, qui ont mis mesdames nues. Et puis, dans le cas de tout, on a pris toute disposition dans le conseil là, pour nous faire, pour nous sanctionner tout groupe, tout DJ, tout avant. Pas respecter le règle, ça brise la loi, tomber en bas sanction la loi. Et c'est tout ça nous avons dit, nous, comme prince, comme mesure de disposition que nous avons pour nous passer un vrai bon carnaval. Et sur tout ça, nous avons dit merci à tout le monde qui a vu le fin de carnaval. Que nous toutes là, nous prêts, que nous baillons plaisir, mais il faut que vous respectez les règles là. Les règles là, c'est respecter les femmes, tout message qui fait contre les femmes, violence qui fait sous les femmes dans le carnaval là. Okay? Et pas parce que vous avez habillé des gens qui fait que nos garçons sont capables d'attirer vers lui-même pour faire le salvat de faire. Ok? Parce que violence qui a fait sous femme, a fait une stigmatisation, stigmatiser les filles, des propos obscènes contre les dames. Ils ont le droit de vous habiller, mais ce n'est pas pour autant pour ne pas respecter eux. Nous avons interdit ça, c'est parce que c'est selon le principe. Okay? Et puis c'est ça, m'a dit tout. Bon carnaval à tout le monde qui a venu participer dans le carnaval. Son carnaval, c'est vrai,
nous-mêmes dans la mairie, nous voulons que nous voyons des bouquets dans l'autre visage de carnaval qui a fait dans le pays. Nous voulons sur scène carnaval là, tout bon. Pour nous voyons l'autre image pour des bouquets. Nous avons officiellement trois chars que nous avons déjà qui vont participer dans le carnaval là. Dans trois chars, ça, nous avons deux chars sonorisés, c'est-à-dire nous avons deux Didier qui habituellement toujours participent dans le carnaval là, qui retenu encore année ça pour participer ensemble avec nous. Et nous avons un char musical avec un jeune groupe local qui est le Virus, qui joue un support Cooligan qui est sponsor officiel carnaval là, dans la commune de Guadeloupe, qui décide permettre à Virus de sortir dans le carnaval là année ça. Donc, il y a une jeune formation musicale dans la commune qui souhaite participer. Mais avec les moyens que la mairie a gagné, nous pouvons confirmer si y a gagné l'autre chat qui a participé dans le défilé carnaval là. Mais il y a une négociation qui a fait avec l'autre qui a une possibilité pour nous mettre l'autre jeune groupe dehors. Nous gagnons Bordeaux Passy également qui manifestait volonté pour participer avec nous dans le carnaval là, Anessa. Mais faute de moyens, nous ne pouvons pas répondre. Donc c'est l'occasion pour nous tous lancer un appel à un sponsor dans la commune qui gagne volonté pour aider nous. Si on peut aider nous, mettre et Bordeaux Passy dans le carnaval là, qui t'a fait au moins gagner un autre char en plus, qui t'a pris augmenter. Nous gagnons tout une dizaine de bandes à pied qui sont dans la commune de Guadeloupe, que nous avons sélectionné qui pour participer dans le défilé bandes à pied avant que Didier soit sorti. Dans la réunion qui a gagné avec ensemble de artistes, groupes musicaux, bandes à pied en dans la commune, nous demandons pour passer inscrit dans le service affaires sociales mairie. Et parmi tout ça qui est inscrit, nous avons gagné pour nous sélectionner, puisque nous n'avons pas choisi tout groupe ou bien tout le monde. Nous avons gagné pour nous faire une sélection de 10 bandes à pied qui ont gagné pour participer dans le défilé carnaval là, qui a fait 3 avec 4 février 2018. Là. Nous avons gagné tout, quelques 3 à 4 troupes de danse, puisque nous connaissons que ça, tout carnaval là, c'est couleur, c'est ambiance, c'est gaieté. Nous avons gagné tout, environ 3 à 4 troupes de danse, qui ont gagné tout pour danser sous parcours carnaval là. Et pendant que nous avons parlé de parcours carnaval là, nous avons informé que le parcours là a commencé à Carrefour Marassa, et puis il a fini dans Carrefour Bédé. Donc pour les gens qui connaissent la commune bien, Carrefour Marassa, c'est là où sorti et après Santo. Donc c'est là le parcours là, l'a commencé et l'a fini dans le Carrefour Bédé, toujours dans la commune de Guadeloupe. Parcours là, l'a lancé à partir de 3h de l'après-midi, donc compté là en branle. Et puis, l'a fait arrangement pour permettre que compté là démarré exactement dans le nous prévoit là. N'a demandé collaboration tout le monde qui dans la commune de Guadeloupe parcours là pour aider nous pour nettoyer la rue là. Trottoir la particulière parce que nous connaissons une pile bagarre sur trottoir là, des gens qui se marchent qui sont trottoir là, des gens qui se ferronnerie qui sont trottoir là, des autres activités encore n'a pas des gens ça pour aider la mairie même je te commencer faire déjà pour aider nous débarrasser trottoir là parce que service voyage pour le passer pour moi pour faire le nettoyage à l'avance qui permettre que nous ayons carnaval et un espace qui est beaucoup plus sain le 3 et le 4 février qui venir là donc nous souhaitons encore tout le monde vrai carnaval et dans nos comités là. Nous avons travaillé pour mettre que au moins nous satisfaire dans la deuxième édition carnaval Guadeloupe qui a fait pour année ça. De concert avec la mairie, qui disposition nous prend. Nous prenons disposition côté que nous avons environ 6 secteurs. 6 secteurs qui ont commencé à partir de Carrefour Marassa. Carrefour Marassa pour bout que nous avons déployé sur tout le parcours, hein, environ 100 policiers. Police Sao, donc nous avons des renforts et de UDMO, nous avons BIMTOU. Donc nous avons pour objectif Anessa, comme c'était même bagaille pour l'année passée, zéro blessé, zéro mort. Donc nous avons annoncé la presse que Anessa, disposition sécurisée, c'est interdiction des véhicules privés sur tout parcours. Nous ne voulons pas de véhicules privés. Nous ne voulons pas tout machin pour empêcher que tout le bagage passe bien. Parce que assez souvent, les gens machin pour les bouteilles qui sont sous le parcours. Donc, nous ne voulons pas ça. Donc, nous-mêmes, dans le cadre de bouquet, nous voulons que tout le bagage passe bien. C'est ça qui fait toute disposition à prendre entre la police, la PNH de la Croix des Bouquets ainsi que la mairie de la Croix des Bouquets.
Bravo tout haïtien, majesté officier Saint-Cloud, saluer tous les médias qui répondent présents dans la conférence. Nous avons encouragé à continuer à faire travail formation et information sans force côté. Je vous dis, voyons vous d'Haïti, les vivoiles, nous avons toutes les enceintes pour dénoncer un pile mauvais traitement qu'a fait ce qu'il dit nous comme peuple. Nous saisis, ouais, c'est haïtien qui décide de passer l'histoire Haïti en bas pied. Nous avons gardé dans notre pays, tu vois, pour tes solidarités. Dans ça qui vient pour défendre les mois ancêtres, nous avons une grosse bataille qui menait pour la liberté. Les nous songer, les une série de personnalités étrangères, tant qu'on Farrakhan, à défendre Vaudou, n'a posé question sur l'intention qui derrière tête nous qui décide de mentir l'histoire. Ouais, Vaudou a demandé tout haïtien, tout vaudouisant conséquent, mobilisé, n'a pas paré pour les décamper en face de tout le monde qui voulait écraser plus passé de 100 années d'histoire. Ouais, Vaudou a profité de dénoncer tentative qu'a fait depuis quelques années pour mettre le groupe Racine d'ailleurs dans la cause du carnaval. Tout le monde connaît ce groupe Racine qui toujours chargé de revendication masse tête là. Qui donc, nous comprenons que le message qui a toujours dérangé quelques monde qui voulait maquiller misère tête là. Le groupe Racine représente le secteur vaudoua. Tout vaudouisant qui a une colonne vertébrale droite, pas vivre dans flatter le monde, ni dans changer quand chaque seconde. Vaudouisant là pour parler vérité et puis défendre le droit de grand monde tête. Là. Carnaval, c'est ça fait vaudou. Nous voulons comprendre pour qui raison nous toujours voulons mettre vaudouisant dehors là-dedans. Tout le monde qui se servit de coloro, toujours dit, carnaval, c'est cause du diable, c'est vaudouisant qui voit là-dedans. Et pourtant, c'est eux qui n'ont tout hypocrisie à trop à tort. Je dis à, nous avons dénoncé à toute force nous, complot qui marre pour tout faire secteur vaudoua, mais manière pour finir à tirer dignité nous rétéa. Vaudouisant, il faut que nous sortions dans Maron pour nous défendre nous parce que personne ne peut défendre nous. Ou à Vaudou, à Mande Vaudou, ils ont 4 pays pour mettre sous côté tout l'esprit de division, à nous suspendre notre capacité nous pour timoner, plutôt nous rassembler pour ensemble nous réveiller l'esprit dans cette vie. Haïti, pas capable encore. Vaudou a pris trois coups de couteau dans le dos, organisez-nous et puis tant de motos là. Joue pas presque arrivé. Les a persécuté, c'est les sangs vins plus fort. Pas jamais oublié, avocat nous fait la natie. Ou à Vaudou, à Mande tout Vaudouisant pour soutenir le groupe Racine, dans toute façon nous capables. C'est nous qui pouvons encourager ça qui pour nous. Le groupe Racine, c'est porte-parole Vaudou, porte-parole ancêtre nous. Nous ne pouvons pas nous quitter, nous mettre baboukette dans la bouche tête là. Voyons Vaudou d'Haïti, à Mande comité carnaval 2018 là, pour regarder les priorités l'année ça. Dans le conseil de développement endogène, tout le monde doit la donner. Vive Haïti, vive Kilti, vive Vaudou, vive États-Unis. Et puis en tant que roi Vaudou haïtien, qui est dans la tête Vaudou haïtien, déclaration président, il y a plusieurs tournures. Tournure exactement, c'est que lui-même personnel qui connaît. Mais tout simplement, moi connais des fois, un leader, chaque côté arrivé, il y a un discours pour chaque côté. Moi-même, je pensais que si il y a un esprit, qui était dans place li ou loi. OK, tu es dans place li, il t'a bien un discours pour tout le monde en général. Ça veut dire que il va avoir un discours ton penchant. Même pas dit le penché, même pas dit le pas penché, mais tout simplement nous dit Haïti son terre vaudou, son terre aïbobo, son terre sacré, son terre mystique, son terre énergie, son terre béni et c'est pour tout mitan le monde. Haïti yé, ça veut dire Haïti pour amen. Haïti pour Haïti, alléluia. Ils sont Haïti, Aïbobo. Simplement, moi, en tant que roi, vous devez me défendre Vaudou jusqu'au bout, pour vous devoir pas passer en bas-pied, et pour vous devoir arrêter Vaudou, et pour mener le pays à bon port, et pour qu'il y aille à bon port. Et venez là, je dis, pour me courir à Tissio, c'est que nous demandons, normalement, pour Jazz Racine, participer dans le carnaval là, même Jazz Jazz Compayo, même Jazz Toutes. Et l'autre jazz. Qui peut quand même faire carnaval une fois que ce gouvernement a pour sortir. Ça veut dire que le maire est sorti, je pense que c'est sélection pour faire pour le groupe ça. Est-ce qu'ils font un bon carnaval? Est-ce qu'ils respectent les principes? Et en plus de ça, nous regardons la quantité de groupes qui n'ont pas gagné de sortir et puis tout le groupe Racine ne va jamais sortir dans le carnaval. Et nous faisons partie de Kiltube. Racine représente Kiltube. Quel que soit côté arrivé, vous connaissez Kiltube, c'est Vaudoulier. Nous disons qu'un bon artiste qui va là, mais il y a bien parce que c'est bon imprévu. Tout le monde n'a pas de cas présent. Mais je dis à nous dire l'État, qu'il tue, la culture,
pour prendre responsabilité. Côté que c'est bon bagage tisan mi coupe, son bagage pour tout le monde qui a participé. Et un grand groupe qui a habitué à participer dans le parcours carnaval pendant les 3 jours. Parce que étrangers ont besoin de nouveautés. Chaque jour, on a habitué à un groupe racine dans Noël, longtemps c'est le carnaval, c'est le nom carnaval, parce que les représentants qui ont tué hier, mais je dis à nous, l'absence et raison, ça fait tout. Ou avoir droit, fait choix pour l'accompagner, groupe racine. Si jamais, je dis à la conférence de presse, si jamais, et le comité carnaval là, et le gouvernement qui a une responsabilité, pas prendre engagement, je dis à. Pour nous repenser bagaille l'autre gens, pour nous chiter avec, pour nous recommander nos cafés. C'est vrai que dans le cabal, tout le groupe racine nous chat, mais il y a des groupes pour considérer Kayo et vous faites vidéo, il y a le studio pour considérer bagaille pour considérer Kayo. Si vous ne faites pas ça, et nous allons lancer une marche pacifique, artistique. Dans ce même lundi, nous n'avons invité ni Panapier, ni artiste qui a fait tableau, ni mon cap racine, ni cap compas, pour nous ne pas quitter le détu et qui tu veux y a. Parce que pas seulement racine, mais c'est qui tu veux y a dans la situation où il y a, nos situations, nos états qui sont graves. L'espace jeune de OCAP, c'est espace jeune, c'est une unité de jeunesse au sein de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti. C'est tout comme que il y a une unité qui est occupée de femmes, que nous déclarons les OCAP femmes, mais ça c'est OCAP jeunes. Ce sont des jeunes qui, au sein de l'Observatoire, là, qui a fourni, j'ai gardé tout, action, pouvoir public. Yo. Nous faisons évaluation sérieuse surtout en fonction de lignes, autrement dit feuilles de route, que le gouvernement a gagné pour différents ministères. Et ceci, c'est tenant compte de ça que nous ouais en fonction de ce qui a passé en réalité dans un pays, hein, nous dit gagner des points positifs et nous battre bravo pour eux. Si nous apprenons par exemple, nous battre bravo pour le gouvernement qui prend une initiative pour recruter de jeunes administrateurs civils d'État. Ça nous battre bravo, nous prenons note et nous battre bravo. Mais le travail un peu confiné, il y a un pile toujours qui pour faire. Par exemple, nous avons souhaité que l'État, si nous prenons par exemple un ministère de la jeunesse, des sports et de l'action publique, qui toujours a parlé de formation professionnelle. Et si nous gardons un rapport, comment est-ce que y a une priorité? Et nous connaissons que la formation professionnelle des jeunes est très importante dans la vie. C'est ça que nous avons souhaité que non seulement l'assiette fiscale MJ a augmenté, mais également un focus surtout sur la formation pour des jeunes et institutions qui sont occupées de ça, c'est l'INFP. C'est de même nous souhaitons que gagner des engagements qui prennent tout à travers des actions concrètes pour que. Si nous prenons par exemple ce programme de caravane de changement, nous avons souhaité que beaucoup plus de jeunes soient intégrés dans la caravane. Ça, parce que le besoin fondamental de jeunes, c'est travail. C'est travail. Le jour que les jeunes travaillent et la générer des fonds, la des possibilités pour qu'ils fassent ville, et ça va l'aider pour que nous gagnions, nous stopper en départ massif des jeunes, soit vers Chili, Brésil, ou les mêmes pays de Caraïbes. C'est peut-être ça. Nous, à contrôler et garder l'action pouvoir public pour que dans quelle mesure que effectuer poser des actions beaucoup plus concrètes pour que nous sentions effectivement jeunes et impliqués et intégrés dans la vie nationale. Nous-mêmes, jeunes pays d'Haïti, qui fait partie de l'organisation que l'espace jeune, nous toujours garder action pouvoir public en Haïti. Nous-mêmes, jeunes, nous gagnons un ministère qui spécifiquement pour nous, qui c'est MJSA, c'est le ministère de la jeunesse, des sports, de l'action, des civiques. Nous avons regardé comment le ministère travaille pour les jeunes dans le pays d'Haïti. Et c'est à travers Feuille de route qui est la priorité du gouvernement. Et nous féliciter Feuille de route qui est un pile point important là-dedans. C'est-à-dire que si vous avez appliqué aujourd'hui, nous avons comme jeunes dans le pays d'Haïti. Feuille de route a 22 points là-dedans. Nous ne pouvons pas regarder tout, mais nous avons regardé quelques essentiels là-dedans. Par exemple, le premier point qui dit élaborer et déposer au Parlement le projet de loi relatif au développement de la discipline sportive. Jusqu'à présent, nous n'avons pas senti aucune action concrète qu'a faite dans le pays d'Haïti, soit faire une loi pour le développement des disciplines sportives dans le pays. Nous n'avons pas une action concrète qu'a faite. Deuxième point qui est très important, c'est élaborer et déposer au Parlement le projet de loi relatif à la jeunesse. C'est-à-dire, yon loi cadence qui définit la jeunesse dans le pays d'Haïti. Jusqu'à présent, nous n'avons pas senti aucune action concrète qu'a faite de la part du gouvernement
bien des pouvoirs publics pour arriver à définir ça jeune dans le pays d'Haïti. Et si nous ne pouvons pas définir jeune dans le pays d'Haïti, nous pouvons jeunes pour orienter le pays d'Haïti. Troisième point très intéressant, c'est développer des programmes d'animation sociale, culturelle dans les quartiers en mettant à contribution l'École nationale des arts, les professionnels de la culture, etc. Donc nous-mêmes, nous avons un programme d'animation sociale, nous connaissons l'importance qu'il y a pour les jeunes dans le pays d'Haïti. Donc nous avons fait des programmes pour nous encourager les jeunes à une culture de paix. Nous n'avons pas aucune action concrète à faire pour réaliser ce point ça, nous faisons du gouvernement. Nous avons un autre point très important, c'est déployer dans le cadre d'un partenariat avec les mairies, un réseau de médiathèques, c'est-à-dire des maisons de culture. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune action concrète qu'à faire, nous n'attendons aucune maison de culture qui est inaugurée, nous n'attendons rien. Seulement faire de route ça, l'île là, pour qu'on entre en application d'une manière concrète pour nous-mêmes. Et l'autre point que nous gagnons, c'est augmenter les centres socio-éducatifs et des réinsertions sociales dans le pays. Nous pouvons entendre un jour. Et pendant depuis faire de route ça lui-même il entre en application, nous pouvons attendre inaugurer aucun centre de réinsertion sociale dans le pays, parce qu'il faut quand pas quelques jeunes qui ont des mauvais comportements, faut gagner des centres qui capables rééduquer mon ça, ça nous une réinsertion sociale. Nous pas attendre aucune action concrète qui fait jeune ça. Donc vient encore et 29 mars 2017 il faut entrer en application, parce que d'une manière concrète nous pas rien qu'à faire. Le gouvernement lui-même était prioriser la culture et il mettait accent, il dit l'École nationale des arts. Nous connaissons qui s'est passé dans l'école jusqu'à présent, dans quel état que lié, dans quel état délabré que lié, il n'y a pas vraiment à travailler sur le travail. Donc c'est sous prince qu'on a demandé pour faire de route ça, pour le gouvernement mettre en application, parce que nous estimons qu'il y a des bagages essentiels qui sont bons pour la jeunesse. Mais... nous là pour nous faire monitoring, faire de route, ministère conditions féminines. Nous prenons note que effectivement, j'ai mentionné le premier point, faire de route là. Il y a quelques recrutements qui sont faits dans l'administration publique là, et puis la commission jeunesse qui travaille. Mais il y a un pile d'efforts qui sont faits toujours. Parce que il y a seulement 11% de femmes dans le programme administrateur de l'État. Et pas de assez jeunes femmes dans le Parlement et dans le pire au niveau de l'État. Dans ce sens, nous avons demandé pour l'État voter quelques lois cadres qui permettent aux jeunes femmes d'intégrer dans l'administration publique là. Créer des vraies politiques publiques qui permettent aux jeunes femmes de jouer accès à crédit, jouer un travail, jouer un moyen pour créer un business, ça permet le développement économique du pays. Et nous demandé pour l'État de poser des actions concrètes pour intégrer les jeunes femmes dans la vie nationale. Nous-mêmes, anciens élèves, à nouveau, lycée, élève lycée Pierre Stage Daniel Fiolet. Nous demandons, monsieur l'État, reconstruction lycée pressée, pressée. Parce que dans le budget 2017-2018, là, gagnons l'argent pour ça. Élève lycée Daniel Fiolet, lycée Jean-Jacques, lycée des jeunes filles, lycée Marie-Jeanne, lycée de Cyber et Latrier. Levez campé pour lycée au reconstruction. On perd du temps. Ça fait plus passer 8 l'année. Et les vieux pas qu'à travailler encore en bâton le choix. Les gens la plus, si moun yo pas qu'à arrêter dans la classe. À la misère pour élèves lycée. Président Jovenel, élève yo relé en moué. C'est trop à tort. Mouche l'État. Bay ti moun lycée ont chance pour apprendre tant que tout l'autre élève. Nous sémenté 7 fois 77 fois. Nous pas bay les gain dans bataille reconstruction lycée. Élève yo besoin bon gens laboratoire, bibliothèque, fimerie, place chaud. Pour nous fini, n'a di mouche l'État. Lycée mandé reconstruction. Lycée sans perdre du temps. Élève lycée a demandé sénateur Yuri Latoti, député honorable Gary Bodo, et Miss Charles Magdala, continuer à porter au secours pour tout lycée qui a reconstruit, pressé, pressé. Thank you.
personnel de soutien dans le système éducatif là. Là, Gonaïve, nous sortis au Cap, nous sortis Tigouaf, nous sortis Miragouane. Nous venons là matin, nous venons chercher les tuyaux. Nous venons là pour demander pour restituer nos droits nous. Parce que nous avons droit. Parce que c'est une déclaration universelle de l'homme. Il y a une constitution pays, il y a un code de travail là. Lorsque deux personnes travaillent, ils ont fait le même travail là, ils ont le même salaire. Le système d'éducation n'est pas comme ça, particulièrement dans la formation professionnelle. Je dis à un conjoint, un ensemble de formateurs qui ont travaillé à un côté, un ensemble de membres personnels qui ont fait le même bagaille. Tandis qu'ils ont traité en chien, ils ont traité en cabrit, ils ont traité en monde. Ça dépend de qui est-ce qui mettait. Nous disons non. Dans la boîte là, dans le centre de formation, c'est une question de compétence. Ce n'est pas une question de qui est-ce qui met, c'est une question de compétence. Et lorsque nous entrons dans le centre de travail, ce n'est pas le monde qui te met qui travaille, mais c'est le formateur qui a fait ça. C'est même personnel administratif et de soutien qui a fait ça. Nous venons là, nous venons demander un. Deux, nous venons chercher la nomination. Deux, nous venons demander pour régulariser le salaire formateur pour le suspendre violer droit. Nous, comme lui-même le reconnaît. Trois, nous venons demander pour continuer avec l'application protocole 18 décembre 2014. Parce que dans le protocole 2014, ça nous constate. Premier point protocole l'a dit, le ministère de tout INFP engagé pour nommer formateur dans le centre de formation. Ça nous constate. Deuxième point protocole là qui dit, en retour formateur engagé pour rentrer dans la salle de classe jusqu'à début 2014, jusqu'à jeudi. Formateur dans la salle de classe. Alors que ministère, ministre finance dans le gouvernement, ne pas jamais comprendre que y a une redevabilité.